La première, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler que de Ibawan, donc le roi du rap africain en ce moment, qui vient d'inaugurer sa maison, en tout cas qui vient de construire un château pour lui. Donc est-ce qu'il est béni que Sidiki Diabaté ou bien gaspille? Donc on va voir ça ensemble. D'abord, on va découvrir la maison de Ibawan, on va voir tout ensemble. La famille, est-ce qu'il est meilleur rappeur en ce moment en Afrique? Est-ce qu'il est béni que les autres rappeurs? D'abord, regardez sa maison, la famille, regardez, c'est un château, c'est un magnifique château. Regardez, c'est adorable, la famille. Je pense qu'il est le premier, en tout cas, rappeur à sa nouvelle génération de construire les arts de Sato. Même, bon, parce que je n'ai pas vu beaucoup de rappeurs, qui, même des chanteurs, des artistes qui construisent les maisons comme ça en Afrique. Voilà, il y a certains qui ne pensent pas, mais Ibrahim, il a pensé à construire. C'était pour sa maman, les gars. C'était pour sa maman. Mais malheureusement, sa maman, elle est décédée. Donc, voilà, condoléances à Ibrahim. Et non, c'est magnifique. C'est adorable. C'est un bon exemple à suivre. Les artistes africains, regardez. Mais moi, je pensais que c'est Gianni Alpha qui va faire ça premier, parce que Gianni aussi, c'est un rappeur conscient. Voilà, il est comme Gianni Alpha, hein, ou bien il est comme Adversaire. Donc, les rappeurs, c'est des rappeurs conscients. Gianni Alpha, Ibawan et Suspect 95. Donc, Adversaire, c'est des rappeurs conscients. Vous voyez, donc, voilà. Et aussi, l'autre là, les rappeurs sénégalais, la Doub Doum Doum Kiss. J'ai imaginé ça. J'ai dit, les rappeurs là, ils vont construire. En tout cas, ils vont montrer un bon exemple. Ibawan, Gianni Alpha et Adversaire. Soit Suspect 95, ouais. Mais arrêtez de comparer Ibawan et Gaspi, c'est des choses qui sont différentes. Voilà, donc regardez les châteaux d'Ibawan, la famille, c'est un château magnifique, c'est un château adorable, c'est un château, non. Et même les rappeurs français ne construisent pas comme ça, tu vois pas les rappeurs français alors qu'ils gagnent de l'argent. Donc c'est ça, c'est la bénédiction qui compte dans notre vie, la bénédiction c'est très important, la famille. Faites attention, la bénédiction c'est très important parce que sa maman l'a béni, voilà. Donc, c'est ça, c'est un grand artiste à suivre, la famille, c'est un exemple à suivre. Voilà, Ibrahim, c'est quelqu'un qui valorise toujours la rap africaine, parce qu'il donne toujours le bon exemple à nous, les jeunesses. Voilà, de suivre les bons exemples, vous voyez, les bons exemples, c'est Ibawan, Gianni Alpha, Suspect 95, vous voyez, donc, Dundungis, Adversaire, c'est des rappeurs conscients, c'est des rappeurs qui montrent des bons exemples, Ibawan. Félicitations à Ibawan, parce que c'est le champion de l'Afrique. Est-ce qu'il est béni? Plus que Sidiki Diabaté en ce moment. Bon, Sidiki Diabaté, alors qu'il gagne de l'argent plus que Ibawan. Mais c'est la bénédiction et la conscience qui comptent. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup de l'argent. Mais tu vois, beaucoup des artistes africains gagnent de l'argent, mais ils gaspillent avec des habits, avec des belles voitures, avec des soirées. C'est ça. C'est ça le problème. Après, bon, si ici il est malade, mais il se retrouve malade maintenant, il demande des aides. Regardez comment vous allez comparer Gaspille et Ibawan. Arrêtez, les gars. Ibawan, c'est le roi du rap en Afrique en ce moment. Regardez l'image de la maison d'Ibawan. C'est magnifique. C'est adorable. Respect à Ibawan, les gars. Respect. Respectez. Tous les artistes, tous les rappeurs doivent prendre l'exemple à Ibawan. Regardez. Je vous fais une petite vidéo là pour vous regarder l'image. Voilà. Regardez. C'est très magnifique. C'est bon. C'est adorable. C'est adorable. Donc, arrêtez de comparer Ibawan et Sidiki Diabaté. Non, Sidiki Diabaté gagne l'argent plus que Ibawan. Mais Ibawan, il est conscient plus que certains artistes africains. Bien sûr. Voilà. Moi, je pensais que déjà, c'est Ibawan qui ou bien Gianni Alpha qui va construire premier. Mais selon vous, Ibawan, Gianni Alpha et Adversaire, et Diko aussi, bon, et de l'autre là, comment Didi B et Doubou Doum Doum Kiss. Et Tenor, qui est le meilleur rappeur en ce moment en Afrique? Qui est le meilleur rappeur en ce moment en Afrique? Donc voilà, il ne faut pas hésiter de laisser vos avis sur les commentaires, c'est très important. Mais arrêtez de comparer Ibawan et Gaspi. Gaspi, non, Gaspi, c'est un petit. Voilà, c'est un petit. C'est un petit devant Ibawan. Non, Didi B même aussi, c'est un petit devant Ibawan. Didi B gagne beaucoup de l'argent plus que Ibawan, mais Ibawan construit, en tout cas, Ibawan, c'est des là, hey, non, mais respect. Regardez lui aussi, c'est Doubou Doum Doum Kiss. Selon vous, est-ce que Ibawan est plus fort que tous les rappeurs en ce moment qui réunissent Gianni Alpha, Adversaire, Suspect 95, Doubou Doum Doum Kiss? Voilà, parce qu'on ne va pas parler de Gaspi, parce que tous les rappeurs que je viens de citer ici, Tenor, Trick, est plus fort que Gaspi. Hein? C'est la vérité. Regardez l'image de la maison de Ibawan. C'est magnifique, c'est adorable, la famille à voir. Magnifique. Partagez-moi ça, likez ça s'il vous plaît. Partagez-moi ça parce que c'est un bon exemple que Ibawan nous montrait. Merci beaucoup et à demain. Au revoir. Aujourd'hui, c'était les